Coucou tout le monde, alors je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto du petit renard, de ce genre de renard là. Donc pour ça il va vous falloir pardon, du chocolat et du caramel. Du moins moi c'est ces couleurs là que j'ai pris, mais après vous pouvez prendre d'autres couleurs. Hein. Et en outil, bah, c'est toujours les mêmes. Ces trois là. Je sais pas si on les voit bien, mais voilà. Et d'une tige à œil pour si vous le faites un pendentif pour le planter ici. Après, vous, moi j'ai mis une brogue, mais vous pouvez mettre une perle ou vous mettez rien du tout, c'est comme vous voulez. Donc c'est parti, je vais vous passer les détails, je vais vous montrer simplement comment je fais parce que moi j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, donc voilà. Bref, on s'en fout. La queue trop fine, là j'ai fait beaucoup trop fin parce que sinon ça va casser, que ça tient par que dalle en fin de compte. Et après faire la texture. À faire. Hein. Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à commenter votre tige à œil. Et ensuite, il reste le torse et le bout de la queue à faire en blanc. Moi, je le fais à la peinture, mais vous pouvez le faire avec des pastels. C'est comme vous voulez. Et il y en a qui vont me poser la question comment faire cuire pour pas que la queue se... patati patata, et ben moi je le couche tout simplement comme ça. Donc voilà, moi je vais faire tous les détails à la peinture au final, mais vous pouvez le faire à la pastel ou en fimo, c'est comme vous voulez. En tout cas pour ma part le tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.